Alors, je reçois du courrier et plein de courriers. Je voudrais dire merci à tous ces enfants qui m'écrivent si gentiment. Alors, Mathias, j'ai bien reçu ton super bateau. Et pour montrer qu'il va bien, je vais le déposer dans le bac de la fontaine. Comme ça, tout le monde pourra le voir flotter. Bonjour les enfants, aujourd'hui j'ai une activité pour vous. J'aimerais bien qu'on parte à la découverte des arbres ensemble. Quand j'étais petite, j'ai fait un herbier. C'est un livre dans lequel on renote les caractéristiques des arbres, des plantes. Et moi ça m'a appris plein de choses. Et en plus, j'ai appris à dessiner les arbres comme ça. J'aimerais bien qu'on fasse ça ensemble. Alors, je vais vous montrer. Simplement, on va aller chercher un arbre. Et l'activité que je vous propose, c'est de prendre une feuille ou une petite branche, essayer de trouver son fruit et de renoter les caractéristiques de l'arbre. Alors quand on ne les connaît pas, il faut prendre un livre. Moi par exemple, j'ai retrouvé celui-là dans ma bibliothèque, mais on peut aussi chercher sur internet ou des choses comme ça. Alors regardez, là je mets simplement le titre et puis j'explique ce que c'est comme arbre. Alors, je colle la feuille, le fruit parfois, ici j'avais mis un plastique pour que ça marche bien. Et là, c'est l'écorce que j'ai notée avec un crayon. Et ici, j'ai redessiné le fruit. Hey les enfants, moi je propose de remettre le sureau dans l'herbier. Vous vous souvenez, Virginie vous a appris à faire du sirop avec ses fleurs. Je vais prendre la marque de son écorce. Alors pour ça, simplement je prends une feuille de papier, je la mets sur l'écorce et avec un crayon, hop, je passe dessus. Regardez, ça c'est le dessin de l'écorce qui est ressorti avec mon crayon. Coucou les enfants, nous allons aller en Estonie et nous allons rencontrer Arta. L'Estonie se trouve ici, juste là.